Im Namen des Instituts Français Berlin schlagen wir heute euch mit großem Vergnügen die Online-Vernissage der Ausstellung Prozesse filmen, ein soziales Thema vor, die von der gleichnamigen in der Archive Nationale de France in Paris gestalteten Ausstellung adaptiert wurde. Das Archive Nationale de France, die Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen, das Marburg-Zentrum und das Institut Français Berlin möchten dem Publikum die Ausstellung bis zum 26. Juni in der Galerie Maison de France in Berlin entdecken lassen und auch am 20. Mai durch einen Online-Studientag mit deutsch-französischen Perspektiven, der vom Zentrum Marburg organisiert wird, mehr zum Thema Prozesse filmen erfahren lassen. Gleich werden Sie das Grußwort hören von Éric Dupond-Moretti, Justizminister der französischen Regierung, von Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz der deutschen Regierung, von Anne-Marie Descotes, Botschafterin der Republik Frankreich in Deutschland und von Professor Dr. Jakob Vogel, Direktor des Marburg-Zentrums. Ein virtueller Rundgang der Ausstellung wird folgen, geführt von der Kuratorin Dr. Martine Sinblima-Baru und dem Historiker des Marburg-Zentrums Dr. Fabien Theophilakis. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Madame la Ministre, chère Christine, Madame l'Ambassadrice, Mesdames et Messieurs, filmer la justice est un thème qui m'est particulièrement cher et je me réjouis, chère Christine, de pouvoir ouvrir à vos côtés, quoique virtuellement, cette exposition exceptionnelle à plus d'un titre. Exceptionnelle car elle présente pour la première fois, dans un même lieu et de manière simultanée, des extraits tirés des enregistrements de 6 procès qui proviennent largement des archives audiovisuelles de la justice qui, pour la plupart, ne sont pas accessibles au grand public. Exceptionnel ensuite, parce que ces archives relatent le croisement entre le fait judiciaire et le fait historique. Sont ainsi présentés le procès de Nuremberg et le procès Eichmann, bien sûr, qui reste gravé dans la mémoire collective et ont fait naître la notion de crime contre l'humanité. Elle montre aussi en écho 4 procès français. Le procès de Klaus Barbie, premier procès filmé en France, pour que soit inscrit dans une enceinte de justice le témoignage des victimes de la Shoah. Le procès de Maurice Papon, qui sera celui d'un homme, mais aussi celui de la collaboration et du régime de Vichy. Le procès de 14 Chiliens, accusés d'enlèvement et de torture, qui s'est tenu sans la présence des accusés, mais qui, comme le dira l'une des avocates, a représenté la seule opportunité d'un procès post-mortem de Pinochet. Enfin, le procès de 2 des auteurs du génocide rwandais qui nous dit la complexité du contexte et l'horreur des massacres de masse. Ce sont effectivement des témoignages exceptionnels, tant pour éviter l'oubli que pour démontrer à quel point il est important que justice soit faite. Si ces documents peuvent être regardés aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'un de mes prédécesseurs, Robert Badinter. Robert Badinter a compris tout l'intérêt que présentait, sur le plan historique, l'entrée des caméras dans le prétoire. Depuis, de nombreux procès ont été intégralement filmés et versés aux archives audiovisuelles de la justice. L'enregistrement du procès des attentats du 13 novembre 2015 viendra d'ailleurs prochainement abonder ce fonds.
Cette exposition se situe également au cœur de ma propre réflexion sur la vertu pédagogique de filmer la justice. J'ai, il y a quelques semaines, déposé un projet de loi en ce sens qui actuellement est examiné au Parlement. Je crois en effet fondamentalement que la justice, pour être comprise, doit se montrer dignement, calmement, dans la réalité des complexités humaines qu'elle appréhende. C'est vrai, lorsque la justice rencontre l'histoire, comme le montrent aussi ses procès. Mais c'est vrai aussi pour une justice plus quotidienne, pénale comme civile, pour laquelle il faut faire œuvre de transparence et de pédagogie, qui doit être mieux comprise dans son fonctionnement, afin notamment de lutter contre la désinformation. Je suis fier de contribuer à faire évoluer le droit dans ce sens. Pour conclure, je crois profondément que filmer la justice au moment où elle se rend est un hommage à la justice et à ceux qui l'exercent. Des scènes très fortes qui figurent dans cette belle exposition en témoignent au plus haut point. Je vous remercie. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein französisches Sprichwort besagt, auf den Wegen der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen. Aber nach dieser klugen Einsicht zu handeln, das ist in der Pandemie nicht einfach. Umso wertvoller sind Anlässe wie der heutige, die unterstreichen, der französisch-deutsche Dialog ist quicklebendig, auch unter schwierigen Bedingungen. Mein herzlicher Dank gilt allen, die die heutige Veranstaltung ermöglicht haben und allen, die an ihr mitwirken. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, sie ist gerade aus einer deutschen Perspektive von besonderem Interesse. Und dies gleich aus drei Gründen. Die Ausstellung eröffnet uns einen einzigartigen Blick in den Maschinenraum des französischen Rechtsstaats. Ein Blick in die facettenreiche Wirklichkeit französischer Gerichtsverhandlungen, wie ihn kein Buch, kein Spielfilm dem deutschen Publikum je vermitteln könnte. Schon das allein macht die Ausstellung lohnenswert. Denn als Anwältin wie als Justizministerin bin ich überzeugt, der besondere Stil einer Rechtskultur lässt sich letztlich nur im Studium ihrer gerichtlichen Praxis begreifen. Auch lädt uns die Ausstellung dazu ein, über eine wichtige rechtspolitische Frage nachzudenken. Was bedeutet der Grundsatz der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen im 21. Jahrhundert? Welche Chancen und Risiken bietet eine filmische Dokumentation von Gerichtsverhandlungen? In Deutschland wird über diese Frage seit vielen Jahrzehnten diskutiert und in dieser Debatte spielen die französischen Erfahrungen eine zentrale Rolle. So wie man in Deutschland schon im 19. Jahrhundert die Frage der Öffentlichkeit von Gerichtsverhandlungen vornehmlich am Beispiel Frankreichs diskutiert hat. Ich bin überzeugt, auch in Zukunft kann Deutschland hier viel vom Blick über den Rhein lernen. Und ich freue mich sehr, dass es morgen in Begleitung zur Ausstellung ein deutsch-französisches Symposium geben wird. Es wird die Gelegenheit bieten, sich zur Frage der filmischen Dokumentation von Gerichtsverhandlungen noch näher auszutauschen. Für deutsche Besucherinnen und Besucher ist die Ausstellung schließlich aus einem dritten Grund von einem ganz besonderen Wert. Zwei der Gerichtsprozesse, die Gegenstand der Ausstellung sind, sind eng verknüpft mit den unfassbaren Verbrechen, die das nationalsozialistische Deutschland während der Besetzung Frankreichs begangen hat. Ich spreche von dem Prozess gegen Klaus Barbie und dem Prozess gegen Maurice Papon. Die Ausstellung konfrontiert uns Deutsche also mit den Abgründen unserer Geschichte. Sie ermöglicht es uns, einen scharfen Blick darauf zu werfen, wie der französische Rechtsstaat mit diesen Verbrechen umgegangen ist. Und sie vertieft auf diese Weise auch unser Verständnis für die Geschichte unseres engsten europäischen Verbündeten und Partners, Frankreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bis die Ausstellung allgemein zugänglich ist, wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und ich wünsche uns allen, dass wir bald wieder in großer Runde zusammenkommen können.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausstellung Filme les procès, die Prozesse filmen, ist der filmischen Begleitung der Prozesse der Nachkriegszeit gewidmet. Diese Prozesse liegen der gemeinsamen Erinnerungsarbeit zugrunde, welche zur Versöhnung unserer beiden Länder führte. Die Ausstellung leistet daher einen wertvollen Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft. Aus diesem Grund ist es mir ein besonderes Anliegen, an der Eröffnung der Ausstellung in Deutschland teilzunehmen. Die Ausstellung wurde von den Archives Nationales Françaises konzipiert und im Institut Français de Berlin eingerichtet. Die Prozesse gegen das nationalsozialistische Regime und gegen das Vichy-Regime haben zunächst dafür gesorgt, das beispiellose Ausmaß des Genozids aufzuzeigen und aufzuarbeiten. Damals stieß ein Teil der Zeuginnen und Zeugen der Deportation auf Gleichgültigkeit und Geringschätzung. Die Berichterstattung über die Prozesse, etwa von Eichmann in Jerusalem oder von Papon in Frankreich, hat ihren Stimmen Raum gegeben. Zeitzeugenberichte sind eine Quelle von unschätzbarem Wert, um einen Eindruck von dieser Zeit und dem Völkermord zu bekommen. Sie zu erhalten ist von immenser Bedeutung. Die Prozesse zu filmen hieß damals, Zugang zu diesem Ort jenseits der Welt zu gewähren, wie Simone Weil die Konzentrationslager nannte. Die Prozesse zu filmen hieß auch, unsere Gesellschaften mit dem düstersten Kapitel ihrer Geschichte zu konfrontieren. Diese Filme zeigen uns, wie das Undenkbare möglich wurde und was Menschen anderen Menschen antun können. Es ist sowohl schmerzhaft als auch notwendig, sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ausstellung Filme les procès eröffnet darüber hinaus eine Perspektive für die Zukunft. Während die Zeuginnen und Zeugen, die von diesen Verbrechen noch berichten können, immer weniger werden, können audiovisuelle Archive eine Stütze der Erinnerungsarbeit in der heutigen Zeit und in der Zukunft darstellen. Der Spruch »Bilder sagen mehr als 1000 Worte« trifft auf diese Ausstellung zweifellos zu. Denn diese Bilder verschaffen reichhaltige und vielfältige historische Einblicke. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine hohe wissenschaftliche und pädagogische Qualität aus. Durch diese Schlüssel zum Verständnis jener Zeit erhoffen wir uns, dass diese niemals in Vergessenheit gerät. Die Verwendung primärer audiovisueller Quellen ermöglicht es, mit großer analytischer Feinheit und Differenzierung der Versuchung der Geschichtsfälschung und des Revisionismus zu begegnen, deren Wiederaufleben wir derzeit in ganz Europa mit Sorge beobachten. Die Ausstellung zeigt uns auch, dass es möglich ist, die Geschichte der Shoah mit anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Verbindung zu setzen, ohne sie miteinander zu vergleichen oder zu nivellieren. Denn der Ausstellung gelingt es, die Singularität des Holocaust hervorzuheben und gleichzeitig spezifische Mechanismen und Wirkungsweisen zu identifizieren, die auf alle großen Verbrechen zutreffen. Die Ausstellung transportiert schließlich die Vorstellung einer internationalen Gerechtigkeit, die darauf beruht, dass ab 1945 ein zivilisatorischer Bruch schrittweise anerkannt wurde. Frankreich und Deutschland konnten sich von diesem nur durch eine Annäherung erholen, die schließlich in die Vereinigung der Schicksale unserer beiden Länder mündete. Erlauben Sie mir, Ihnen abschließend zu versichern, dass das französische Kulturnetzwerk in Deutschland dieser Ausstellung die Sichtbarkeit und Resonanz geben wird, die sie verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zu unserer Ausstellung Prozesse filmen hier am Institut Français. Mein Name ist Jakob Vogel, ich bin Direktor des Centre Mac Bloch, des deutsch-französischen Forschungszentrums für Sozialwissenschaften hier in Berlin. Und ich freue mich sehr, diese Ausstellung zusammen mit dem Institut Français und der französischen Botschaft Ihnen zeigen zu können. Eine Ausstellung, die sich beschäftigt mit der Frage,
der Anwesenheit audiovisueller Medien in den Gerichtssälen, in den Prozessen, insbesondere gegen die Akteure der Shoah, der chilenischen Diktatur und des Völkermordes an den Tutsis in Ruanda. Die Ausstellung wurde ursprünglich gezeigt in den Archives Nationales in Paris, kuratiert von Martine Sinblima-Baru und Christian Delage. Martine Sinblima-Baru ist Konservatorin an den Archives Nationales. Christian Delage, Historiker und Filmregisseur, Leiter des Instituts d'Histoire du Temps Présent, des Pariser Instituts für Zeitgeschichte. Beide haben, wie wir finden, eine außerordentlich interessante Arbeit vorgelegt, die auch am Berliner Publikum deutlich machen kann, welche Unterschiede in unseren beiden Ländern bestehen in der Art und Weise, wie audiovisuelle Medien zu den Prozessen zugelassen werden, als ein Akt auch der Herstellung einer demokratischen Öffentlichkeit. Dieser unterschiedliche Umgang mit der Frage der Anwesenheit der audiovisuellen Medien wird dann auch noch einmal im Mittelpunkt eines Seminartages sein, den wir am 20. Mai virtuell organisieren. Es sind meine beiden Kollegen Caroline Moine und Fabien Theophilakis, die diesen Seminartag vorbereitet haben. Und wir hoffen sehr, Sie alle nicht nur in der Ausstellung, sondern auch bei diesem Seminartag begrüßen zu dürfen. Wir möchten danken allen Kolleginnen und Kollegen des Centre Marc Bloch und des Institut Français, aber auch der französischen Botschaft, die am Zustandekommen dieser Ausstellung hier in Berlin beteiligt waren, aber natürlich auch den Partnerinnen und Partnern in Frankreich, insbesondere eben dem bereits erwähnten Institut für Zeitgeschichte, dort den Archives Nationales, aber auch dem Memorial de la Shoah, die wichtige finanzielle Unterstützung geleistet hat. Eine sicherlich, wie wir finden, sehr spannende Ausstellung. Ich hoffe, Sie haben die Zeit, sie sich in aller Ruhe anzuschauen. Bonjour, je suis Martine Sinblima-Baru, conservatrice du patrimoine aux Archives nationales en France. Bonjour, Fabien Théophilakis, historien, et j'ai participé à l'exposition qu'on va vous montrer. Donc cette exposition, Filmer les procès, un enjeu social, est une exposition qu'on a ouverte aux Archives nationales en France à partir du 14 octobre, qui est pour l'instant fermé en attente de réouverture. Et donc on est particulièrement heureux qu'elle puisse aujourd'hui être visible du public allemand à l'Institut français à Berlin. C'est une exposition qui a été ouverte à Paris, comme disait Martine, mais en venant ici, elle prend une autre coloration, une autre présentation. Et l'idée, c'est aussi d'adapter à un public et un regard qui est un regard berlinois. Donc ici, on voit des documents qui sont conservés par les archives nationales et qui permettent de présenter le contexte général de création de ces archives qu'on appelle les archives audiovisuelles de la justice. Donc ces archives, que sont-elles ? Ce sont des enregistrements de procès qui ont été voulus par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Robert Badinter, par sa loi du 11 juillet 1985, qui crée la possibilité, alors qu'il est complètement interdit de filmer des procès depuis la loi de 1954, de filmer l'intégralité de procès, de certains procès.
dans le but d'en faire des archives historiques. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'apportent les archives audiovisuelles, comme Martine les précisait. Pointer peut-être deux, trois choses. Premièrement, elle apporte un complément où elle corrige ce qu'on peut savoir du procès, sachant qu'elle va, que ces archives-là vont donner une ambiance, une atmosphère, vont donner corps à ce qu'on ne voit pas dans l'écrit, c'est-à-dire les regards, les non-dits, la gestuelle, et qui font que le procès reste une dramaturgie. Peut-être le deuxième enjeu de ces archives qu'on va voir, c'est de montrer que la justice, quand le procès s'ouvre, elle n'est pas dite encore. Et elle laisse donc au procès cette part d'incertitude qui fait que dans les États démocratiques, les États donc libéraux, démocratiques, la justice est rendue à partir de preuves et que l'accusé est innocent jusqu'à sa condamnation. Et donc ces archives-là permettent de rendre, alors que le téléspectateur connaît l'issue du procès 50 ans après, permet de rendre cette incertitude ou ce possible judiciaire. Le troisième intérêt de ces archives-là, dans un débat actuel, notamment en France, mais en Allemagne aussi, du rapport de la justice aux citoyens, c'est comment fonctionne la justice. Elle donne à voir le rôle des différents protagonistes, donc les procureurs, les juges, les témoins, les accusés, bien sûr, les parties civiles, et elle permet de mieux s'approprier l'institution judiciaire, son fonctionnement, et comprendre que cette grosse machine, en fin de compte, a des règles, un rituel, et le film rend très bien cette façon très particulière de rendre le droit, qui est la justice, qui est quand même rendue, il faut le rappeler, au nom du peuple français. Je te propose qu'on aille voir Bien le sûr. Premier procès, justement, de 1945, qui est donc le procès des hauts responsables nazis, qui a eu lieu à Nuremberg sur les années 1945 et 1946. Très bien. Donc, ce procès de Nuremberg a ça d'intéressant, c'est que c'est le premier procès qui est enregistré, alors avec une spécificité, à savoir que l'intégralité est enregistrée en audio. Par contre, il y a une grosse vingtaine d'heures qui est enregistrée avec les moyens cinématographiques, qui sont ceux des années 45-46. Et l'autre intérêt, c'est que c'est le premier procès aussi qui montre des films comme preuve, et des films qui ont la particularité d'avoir été cherchés dans différents coins de l'Allemagne. Ce que le procureur Jackson voulait, c'était trouver des films produits par les Allemands, par les nazis, qui montrent effectivement ce qu'ils ont fait, parce que le fait qu'ils aient été réalisés dans ce contexte avait une valeur de preuve bien plus forte. Et le rôle du film dans ce procès a été mis, on va dire, un peu en majesté, puisque la salle, la scène judiciaire est vraiment organisée autour de ces projections pour leur donner toute la place. De ce fait, on a là un tribunal militaire sans public, hein, donc un tribunal un peu particulier, et les accusés font face à la cour, ce qui ne se passe jamais dans un procès habituel. Oui, le procès de Nuremberg est assez intéressant, bien sûr, c'est un antécédent, c'est le premier, comme tu l'as rappelé. Mais la question de pourquoi on a filmé le procès, ça nous paraît évident aujourd'hui, alors que les États-Unis depuis 1937, la Grande-Bretagne depuis 1925, ont interdit le filmage de procès dans leur pays. L'idée, c'est que Jackson, que vous voyez à l'écran ici, fait du procès du nazisme, fait du procès des 21 accusés dans le box, le procès d'une chose de plus grande qui est l'idéologie qui a mené à une guerre et à une extermination. Et donc, vous avez ici un antécédent parce que la durée du procès, on commence en novembre 45, on finit en octobre 46. Vous avez, si vous prenez le procès verbal, c'est plusieurs milliers de pages, il y a 100 000 documents et on n'a pourtant que 34 témoins. Et donc là, vous avez une tension intéressante qu'on va retrouver dans tous les procès, c'est entre le principe de publicité. Il faut effectivement rendre ce procès avec le plus grand écho possible, et vous avez ce qu'on appelle un procès spectacle, au sens noble du terme, il faut une publicité, et en même temps il faut respecter l'équité des débats, notamment le droit des accusés, le droit de la défense, et cette tension fait que le procès se joue aussi bien dans le tribunal, donc il faut
convaincre les juges que les accusés sont des coupables, puisqu'on est dans la common law, et en même temps faire en sorte qu'au-delà du tribunal, eh bien, le procès est une portée, est une leçon. Et donc on a ici ce qu'on appelle des procès, on va dire, historiques, parce que l'enjeu dépasse le simple sort des accusés, mais a des dimensions politiques, mémorielles, pédagogiques. Et le procès de Nuremberg, en ce sens-là, pose les bases d'une nouvelle façon de mener la justice. Donc après le procès de Nuremberg, il y a un deuxième grand procès historique qui est le procès d'Adolf Eichmann qui a eu lieu en 1961, qui est aussi le deuxième ancrage dans lequel on a voulu mettre en perspective les procès français. Je te propose qu'on aille voir les extraits qu'on a retenus. La caractéristique de ce procès est d'avoir été filmé en vidéo. Pour cela, un réalisateur américain a été sollicité, Léo Hurwitz, avec pour consigne de filmer avec des caméras qui ne se voient pas et dont le bruit ne va pas perturber l'audience. Avec des directives aussi larges, Léo Hurwitz a pu vraiment filmer ce qu'il a voulu et il donne de ce fait une vie, un corps à ce procès très très particulier et on verra effectivement par la suite comment les procès français qui n'ont pas du tout le même objectif sont bien différents. Oui, je pense que c'est intéressant ce qu'on voit avec le procès Eichmann, ce que dit Martine, c'est qu'en fin de compte, l'image qu'on a du procès Eichmann, c'est l'image vue par Léo Hurwitz. Et donc ce que montre bien le procès Eichmann en termes de filmage, c'est que le film du procès est un récit du procès, qui n'est pas exactement le procès, c'est-à-dire que les quatre caméras de Léo Hurwitz avec lesquelles il monte en direct sont un choix de ce qu'il a voulu montrer et de ce qu'il cherche à montrer. Dit autrement, il y a bien une historicité de ces films-là qui correspondent à un contexte, à une perception, en l'occurrence du nazisme, et qui correspondent aussi à la volonté du réalisateur, de l'opérateur, formidable en l'occurrence, qui est Léo Hurwitz. L'autre chose, et c'est une continuité en revanche, c'est que le procès se veut un procès aussi spectacle, il est conçu pour une audience qui est bien au-delà de la cour et bien au-delà d'Israël. On a à peu près 750 journalistes qui sont présents. Et dit autrement, les images montrent que contrairement à l'image qu'on a d'un Eichmann absent, indifférent, on a un peu l'image d'un Eichmann dans un tétrarium, on a un accusé au contraire qui va largement s'emparer des moyens à sa disposition pour se défendre et le but c'est de proposer un autre discours, une autre lecture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement de la solution finale de la question juive. Il faut aussi préciser que la volonté donc, du procureur général Hausner, donc dans le procès Eichmann, de le filmer et de faire intervenir les témoins, est une lecture directe de ce qu'il considère comme un échec relatif de Nuremberg, considérant que Nuremberg n'a pas su faire venir la parole des victimes, et donc il va lui au contraire mettre au centre de son accusation 120 témoins qui vont donner un corps, donner une voix à ce qu'a été le sort des Juifs sous l'Allemagne nazie. Ce qui est intéressant, comme dit Martine, c'est qu'on a bien ici un récit dans lequel le public devient un élément constitutif du procès, alors que on verra dans les procès français, ça c'est complètement, ça interdit, ça n'apparaît pas. Et là on a vraiment les effets qui sont matérialisés par des coupes sur des gros plans sur le public. Ouais. Et c'est vraiment un film du procès et non pas le film que du procès. Ouais. Allons voir maintenant le procès Klaus Barbie, après avoir vu la préparation. 87, on est à Lyon. On est à Lyon et on est dans une salle qui a été spécialement aménagée pour ce procès qui était prévu pour être exceptionnel et qui est vraiment exceptionnel. Premier procès d'un criminel nazi filmé en France, premier procès enregistré au titre des archives audiovisuelles de la justice. Donc là, il ne faut pas oublier le pas, c'est-à-dire entre la loi de 1954 qui interdit strictement tout enregistrement, toute photo, toute captation sonore, et 1987, premier enregistrement possible, intégral, sans coupure, sans rush. Donc on voit vraiment toute la spécificité avec donc, des directives très strictes dans les modalités de tournage qui sont fixées dans la loi du 11 juillet 1985 et qui ont depuis été reprises sans changement dans le Code du patrimoine.
Oui, ce qui est particulier pour ce procès-là, hein, c'est aussi la première fois en France que nous avons un procès pour crime contre l'humanité. Alors le premier qui se passe en 87, c'est contre un Allemand, Klaus Barbie, hein, qui a été un chef de l'ASD à Lyon et qui est très connu en France quand le procès s'ouvre en 87 pour avoir été celui qui a torturé et amené à la mort de Jean Moulin. Et si vous regardez le procès, on a ici donc à la fois une continuité, le film, comme dit Martine, même si les directives françaises sont beaucoup plus strictes que les directives qu'on a vues notamment pour le procès Eichmann, pas de plan en coupe, très peu de plans, de gros plans ou de plan serré. On a aussi une cage de verre et là vous avez Klaus Barbie qui est à l'écran, mais très rapidement Klaus Barbie va refuser de comparaître et vous allez avoir un procès très particulier dans lequel l'accusé n'est pas présent. Et ça va avoir pour notamment conséquence d'augmenter encore plus la focalisation et la dramatisation sur les témoins, qui est aussi un héritage du procès Eichmann, et par voie de conséquence aussi l'absence de Klaus Barbie emmène aussi son avocat, Maître Vergès, a joué un rôle très particulier par rapport à ça. On peut peut-être poursuivre avec le procès de Maurice Papon. Oui, très bien, prenons-le. Donc Maurice Papon, qui c'est un très haut fonctionnaire. Alors un haut fonctionnaire au moment des faits qui lui sont reprochés et qui justifient ce procès, mais également un haut fonctionnaire qui a fait une très très belle carrière après-guerre. Là, on le voit, c'est un monsieur d'un âge très avancé. Et donc, il a fait cette carrière très importante. Et les documents que l'on voit juste en face de l'écran, et peut-être qu'on peut s'en approcher juste un tout petit peu pour les montrer, c'est quelques documents qui retracent la carrière de Maurice Papon. Donc on voit des arrêtés, hein, selon le terme, souvent des actes de nomination des hauts fonctionnaires, donc vraiment quelqu'un qui est reconnu dans ses fonctions. Et finalement, il transporte ses fonctions, même en tant qu'accusé. C'est un accusé qui est très pressant dans son procès, qui intervient sur tout, qui justifie tout, qui ne laisse rien passer. Et de ce fait, on a déjà des directives au niveau des modalités de filmage demandant que la caméra suive la personne qui parle, et là on a l'impression que la caméra ne fait que filmer Maurice Papon tellement il monopolise cette parole. Et donc vous avez ici un conflit entre mémoire de la résistance, ou une lecture de la Seconde Guerre mondiale entre mémoire résistance et mémoire juive, et avec Maurice Papon vous avez une personne qui se présente comme résistant qui est jugée et qui va être condamné d'ailleurs pour ça, pour complicité, pour crime contre l'humanité. Je te propose qu'on quitte complètement ce sujet et qu'on fasse aussi un bond dans le temps. Allons en 2010 pour le procès de 14 Chiliens qui sont accusés de la disparition de 4 Franco-Chiliens au Chili. C'est-à-dire que c'est un procès très dépouillé. On ne voit que le président avec ses deux assesseuses, on ne voit que le procureur général ou l'avocat général, et on ne voit que les témoins à la barre. Donc on a une pauvreté en termes de plan, ce qu'on n'avait pas avec le procès Klaus Barbie, où on a vu déjà qu'il y avait une évolution, plus grande diversité de prises d'angle. Là, on est vraiment un procès ramené à sa plus stricte expression, donc quelque chose de très dépouillé. En plus, ça permet de montrer un procès qui est très particulier, c'est-à-dire qu'il y a 14 accusés, pour autant, dans ce film, on ne verra jamais le box des accusés, pour la bonne raison que le box est vide, parce qu'aucun des 14 accusés n'a reconnu la légitimité de la France et donc est venu en France, ni ne s'est donné la peine finalement de se faire représenter par un avocat. Donc c'est intéressant ce que tu as dit sur l'importance des victimes depuis le procès Eichmann, c'est qu'on a à nouveau un procès qui n'est fait que pour les victimes, puisque de toute façon, il n'y a que les victimes et les témoins. Oui, et là, je pense que le procès, donc, comme dit Martine, de la dictature chilienne, montre ceci, c'est qu'on a à la fois cette volonté de reconnaître le statut de victime à des personnes qui ont souffert
en l'occurrence de la dictature de Pinochet, et la compétence donc, universelle qui fait qu'il n'y a plus de lien territorial, géographique, entre le lieu du crime et son jugement. Et ce qui va expliquer aussi, et l'exposition le montre bien, qu'on rentre dans des procès qui ont une importance juridique considérable, qui constituent une archive historique considérable, mais qui n'ont pas nécessairement un impact médiatique considérable. Le procès chilien, comme les procès, on verra plus tard, du Rwanda, sont des procès qui n'ont pas marqué l'actualité médiatique, du moins pas en leur temps. Et là, on a bien un décalage qui fait que la justice elle-même ne suffit pas nécessairement à nourrir un débat plus large et qui aurait des répercussions à l'extérieur du tribunal. On peut aller voir le procès en appel de Nganzi Baraira. Oui, en 2018. Comme dit Martine, le procès du Rwanda, on a des faits donc été commis au Rwanda à partir de 1994 dans ce génocide donc des Tutsis par les Hutus. Les accusés sont rwandais et on est en France et donc ça pose une question du contexte culturel et linguistique. Tous ces procès qu'on a vus pour le moment, eh bien entre les accusés, les témoins, les juges, eh bien il n'y a pas forcément les mêmes langues. Et donc là, vous allez avoir la question de l'interprétariat, la question aussi de la configuration culturelle, notamment la place du religieux, ce qui suppose quand même une adaptation aussi de la cour à ce contexte et l'importance des témoins qui vont donner, au-delà de leur propre souffrance, de leur propre vécu, un contexte ou une atmosphère, une ambiance pour mieux comprendre l'évolution. Donc c'est un procès délocalisé, mais là, les accusés sont bien présents. Et donc n'ont pas été extradés et c'est la France qui les juge. Ce qui est intéressant avec ce procès, c'est que la façon dont le procès est filmé a évolué. Mmh. C'est-à-dire que la Cour a entendu le besoin des historiens qui est d'avoir un peu plus d'informations que le strict filmage de la parole de la personne qui s'exprime au moment où elle est filmée, mais que parfois il y a des informations intéressantes à aller chercher du côté du président. Là, on a deux accusés qui comparaissent sur le même banc. En les filmant séparément, ça permet d'individualiser la responsabilité de chacun dans les faits qui sont reprochés. Deuxième chose et dernière chose sur ce procès-là qu'on voit en gros plan, c'est que c'est un procès qui a eu une importance considérable en termes juridiques, pour ce qu'a dit Martine, une importance considérable en termes de recherche. Beaucoup d'historiens ont été convoqués comme témoins ou sont dans la salle. En revanche, en termes de relais médiatiques, ces procès-là n'ont pas abouti comme d'autres procès historiques. Et l'ambition de l'exposition, c'est aussi de redonner une importance à ces procès pour inviter le public à s'emparer ou aller les voir, puisqu'encore une fois, cette justice, elle est rendue en leur nom, au nom du peuple français. Cette qualification, cette focalisation sur des procès historiques permet de s'interroger sur la mémoire qui est ainsi créée autour de ces enregistrements et sur leur réception dans le temps long de l'histoire dans lequel ces enregistrements doivent s'inscrire. Donc, l'exposition ne propose pas un récit construit et l'idée c'est que chaque personne qui voit l'exposition à travers son expérience et ce qu'elle voit en retire autre chose. Et ce qu'on pourrait dire c'est que ces procès sont historiques pas seulement parce qu'elles concernent un passé et donc qui obligerait une société à se confronter à ce passé, mais c'est aussi vers un futur. Et ce qu'on voudrait c'est que les personnes qui voient l'exposition, notamment les Berlinois ou les Allemands, eh bien, puissent réagir et se poser comme question quelles leçons retenir de l'histoire qui n'est pas nécessairement fixée par le jugement d'un procès.